sentait près de liberté. Elle n'apprécie dans les cités que les tours et les gratte-ciels qui leur sont de belles échelles. Il semble n'avoir peur de rien, surtout pas de tomber de haut. Et chez eux, le vertige atteint des hauteurs qu'on ne connaît trop. Est-ce instinct de domination, complexe d'infériorité, orgueil, fierté ou ambition qui sans arrêt les fait grimper? Sans l'âme aucune de bâtisseur, mais de pitons grands amateurs, ils font dès qu'ils pavent le mur qui tombe à pic pour leur nature. Ce sont de réels acrobates, des araignées à quatre pattes, comme s'ils avaient au bout des bras des ventouses à chaque doigt. Est-ce instinct de domination, complexe d'infériorité, orgueil, fierté ou ambition qui sans arrêt les fait grimper? Bien encordé à la montagne, comme un cordon ombilical, ils escaladent tous les fêtes pour se dépasser cœur en fête. Ils aiment ouvrir des voies nouvelles et cabotent la sensation. En spécialiste du rappel, ils bissent leur expédition. Est-ce instinct de domination, complexe d'infériorité, orgueil, fierté ou ambition qui sans arrêt le fait grimper? Leurs prises n'ont rien d'électrique pour bien les coller à la pique. C'est juste à la force des doigts qu'ils sont suspendus aux parois. Ils tiennent, on ne sait comment, comme cloués à la paroi. Et je n'explique et je ne comprends pas qu'ils puissent dévisser parfois. Est-ce instinct de domination, complexe d'infériorité, orgueil, fierté ou ambition qui sans arrêt les fait grimper? Est-ce instinct de domination, complexe d'infériorité, orgueil, fierté ou ambition